Good morgen, allez, dans l'étude sur aujourd'hui, les nishmat amoyona, ben chana pigibet ester, nissim ben Ahuda, et aussi l'irfouat, efrat mayan bat lea, betor shachol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions la sechet Ahuda Zara, perikadef Mishnah Vav. Mekom shenahagou limkor behemadaka lagoim mochrin. Mekom shenahagou shelo limkor en mochrin. Ovechol makom en mochrin laem behemagasa, agalim ou siachim. Shlemim ou Shvurim. Rabbi Yehuda Matir Bishvura, ou Ben Beteira Matir Basus. On va commencer d'abord. Depuis la Mishnah Hei, maintenant, on a commencé à introduire les choses que l'on n'a pas le droit de vendre au Goyim, parce qu'on va rencontrer différents problèmes ilchatiques. Dans la Mishnah Hei, on avait évoqué des problèmes de Avodah Zara. Dans la Mishnah Vav, on parlait d'un tout autre problème, un problème en rapport avec le Shabbat. On commence par lire, traduire, je vous explique tout de suite. Il va y avoir un premier sujet dans la Mishnah. On va parler de menu bétail. Ensuite, on va continuer dans la Mishnah, on va parler de gros bétail. On va lire d'un coup jusqu'à qu'on arrive à la vache, et puis après on reviendra sur le début de la Mishnah, parce qu'en fait tout se roule là-bas. Mais comme Shenago Limkor Behema Daka Lagoim Mochin, dans un lieu où l'on a l'usage de vendre des Behema Daka, les bétails, enfin le menu bétail, c'est-à-dire des ovins, des moutons, des chèvres. Alors, dans un endroit où on a l'usage de permettre de vendre aux goïm des moutons, des chèvres, alors, mochrin, on a le droit de leur vendre. Par contre, mekom shenahagu shelolimkor en mochrin, dans un endroit où on n'a pas l'usage, on a l'usage de ne pas leur vendre du menu bétail, alors, en mochrin, on ne leur vendra pas. De quoi ça parle? On ne comprend pas tellement, il faut continuer encore un tout petit peu. Et dans tous les endroits, il est défendu de leur vendre une behema gassa, du gros bétail. Soit ça implique une vache, un âne, un cheval aussi, pas forcément pur, ou même, il peut même être une espèce impure telle qu'un cheval. On s'arrête là, on explique un petit peu mieux. D'abord, on explique la dernière partie, quel est le problème avec le gros bétail. Et suite au gros bétail, alors il y a eu différents usages qui se sont propagés. Si vendre ou non du menu bétail. Pour le gros bétail, il y a tout d'abord un problème de louer son animal à un goy. Le Shabbat, la Torah, elle m'a dit Lota sekol manacha ata, ubincha, ubitra, ubemtecha. Même ton animal, il y a ce qu'on appelle la mitzvah de Shvitat Behema. Autant que je n'ai pas le droit, le Shabbat, de transgresser moi-même un interdit, alors je n'ai pas le droit de faire transgresser aussi un interdit à mon animal. Si j'ai besoin de transporter quelque chose dans la rue, je ne pourrais pas le mettre sur le dos de mon animal pour qu'il me le transporte. Je n'ai pas le droit de faire travailler mon animal, je n'ai pas le droit de faire battre du blé. On n'a pas le droit de shvitat behema, faire le shabbat pour la behema aussi. D'accord? Elle a le droit de brouter si elle veut, elle a le droit de brouter l'herbe, ça c'est son problème à elle. Mais moi, je n'ai pas le droit de lui faire faire un travail. D'accord? Maintenant, suite à ça, si je possède un animal que je vais louer à un goy, si je vais louer mon animal, mon cheval, ou je vais louer ma vache, mon taureau à un goy, et que pendant le Shabbat, le goy va travailler avec mon animal, il va transgresser, je vais transgresser en cela un interdit parce que mon animal est en train de travailler pendant le Shabbat. D'accord? Ça, c'est la location. Donc, on est confronté à un interdit d'oraita si l'animal travaillera pendant le Shabbat lorsqu'il sera dans les mains du goy. Suite à cela, Chachamim ont fait une xéra de ne pas non plus vendre du gros bétail à un goy, de peur que le goy va... Non, là, il n'y a plus aucun problème, parce que si je l'ai vendu, alors il est devenu lui-même possesseur de l'animal, et maintenant, c'est plus l'animal du juif. Mais malgré tout, Chachamim ont fait une gzera, mechira atu srirut. Ouais, ça va porter dans la première mot du Barthénois, en mochin be magasa, de gazrinan mechira atu srirut ve'ash ala. On a fait une gzera sur le fait de vendre, à cause de la location ou hachala, le fait de prêter l'animal à un goy. D'accord? Que dans ce cas-là, c'est interdit. Ça, c'est pour le gros bétail. Ensuite, dans la suite de la Mishnah, on va apporter quelques précisions sur le gros bétail, quand, dans quel cas précisément. Pour le moment, suite à cela, maintenant, on revient un petit peu en arrière, on revient sur le début de la Mishnah. Bien sûr, on travaille avec du gros bétail, tandis que le petit bétail, on le mange uniquement. Il fabrique sa laine pour les moutons, mais en tout cas, on n'utilise pas un mouton ou une chèvre pour tirer une charrue, ni même pour tirer quoi que ce soit. On ne monte pas dessus non plus, donc ça ne travaille pas. Ce ne sont pas des animaux qui travaillent.
Donc, en théorie, il n'y a plus aucune raison d'interdire de vendre ou même de louer, en fait, d'interdire de vendre ou de louer du menu bétail à un goy. Si toutefois il a un intérêt que je lui vende du menu bétail, que je lui loue du menu bétail non plus, il n'y aura pas d'interdit. Il le fera jamais parce qu'il n'a aucun intérêt, mais en tout cas, d'accord? Donc il ne devrait y avoir aucun interdit parce que dans le menu bétail, on n'est pas confronté avec l'interdit initial de faire travailler mon animal. Malgré tout, il y a eu des lieux, des endroits où on a eu l'usage qui s'est répandu de dire non, on ne vend plus aucun animal au goyim, même le menu bétail comme le gros bétail. Alors dans les endroits comme ça, la Mishnah vient m'enseigner, ben, plie-toi au minhag, parce que même un minhag qui s'est répandu, s'il n'est pas du tout fondé, il est stupide, alors on ne doit pas se plier à ce minhag. Ça va rapporter dans les bandes Psachim, pas ici. Il y a la même Mishnah qui se retrouve dans Maseret Psachim, Perek Dalet, Mishnah Gemel. D'accord? Donc maintenant, je reviens sur le sujet. S'il y a un minhag, un usage pareil de ne pas vendre du menu bétail au goyim, eh bien plie-toi à ce minhag parce qu'il est fondé, parce qu'en fait c'est un minhag où on a préféré se tenir complètement à l'écart de la vente d'animaux au goyim. Tandis que si c'est un endroit où il n'y a pas eu cet usage, eh bien tu n'es pas du tout contraint à t'abstenir de leur vendre du menu bétail parce qu'ils ne risquent pas de travailler. Ok, on a fini la première partie de la Mishnah. Maintenant, on remet le zoom un peu mieux sur la deuxième partie de la Mishnah en apportant tout d'abord une grande précision qui est déjà rapportée dans le Bar Tanoura, qui nous dit va l'aider sar sourd et les kalichlouf et le vendre avec une tierce personne, un intermédiaire, un métaver, quelqu'un qui s'occupe lui de. J'ai pas le mot. Quelqu'un qui s'occupe de vendre les animaux. Il fait du tivour, un promoteur. Comment dans les maisons? Un agent. Un agent. En tout cas, on s'est compris. Un sarsour, une tierce personne. Si on le vend avec par l'intermédiaire d'une tierce personne, même le gros bétail, on aura le droit de le vendre. Pourquoi? Parce que le Bar Tanoura nous enseigne, rapporté dans la Gemara, que on n'a pas l'usage de trouver de faire des locations d'animaux, de gros bétail, par des intermédiaires. De ce fait, lorsque tu vas vouloir vendre ton animal, même du gros bétail, par un intermédiaire, une tierce personne, alors on ne va pas se soucier de décréter, de vendre, de ne pas vendre de peur que les gens vont venir à louer. Parce qu'on voit bien que là, tu es passé par une tierce personne, que c'est l'usage que de vendre par lui et pas de louer par lui. D'accord? Ça apporte dans le droit. On continue. Dans tous les lieux, on n'a pas le droit de leur vendre du gros bétail, qu'il s'agisse de agalim ou siachim, même s'il s'agit d'un engel, un petit veau, et siach, c'est un petit âne. Un âne, quand il est petit, en la Shona Kodesh, ça s'appelle un siach, avec un signe, comme c'est écrit ici, ou siachim. Shlemim ou shvurin, qui soit aussi entier ou cassé. C'est-à-dire, on a bien sûr pas le droit de leur louer, c'est même pas la question, là on parle même de leur vendre. Supposons maintenant, tout ce qu'on a expliqué, l'interdit provient du fait que l'animal, on n'a pas le droit de louer un animal pour travailler. De ce fait, si l'animal il a la patte cassée, alors en théorie, il n'y aura pas d'interdit de le louer, ni même de le lui vendre, en théorie. Le louer, de toute façon, il n'y aura pas d'intérêt, parce que s'il a la patte cassée, donc il n'est pas capable de travailler, donc pourquoi il le loue? Mais en tout cas, lui vendre, en tout cas, il ne devrait plus avoir d'interdit. Et bien malgré tout, la Mishnah vient et me dit, non, on ne fait plus de différence. Même si on fait une différence entre le gros bétail et le menu bétail, on ne fera pas de différence à l'intérieur du gros bétail. Est-ce que c'est du gros bétail apte à travailler, trop vieux, trop jeune, patte cassée, pas patte cassée, on s'en fout. Du gros bétail, tu ne vends pas du tout. Telle est la vie de Tanakama. Et bien Rabbi Yehuda m'attire, Mishvura. Rabbi Yehuda, lui, va permettre de lui vendre un animal qui a un pied cassé, par exemple, qui ne va plus pouvoir travailler. Puisque dans ce cas-là, tu sais très bien pourquoi il achète le goy, puisqu'il a la patte cassée, c'est vraiment pas pour travailler. D'ici 2 jours, il l'amène à l'abattoir et c'est fini. Il va le manger en bon steak. De ce fait, il n'y a aucune raison d'interdire. Tandis que Rami vont nous dire, maintenant, on fait une xéra, gros bétail, on ne vend pas du tout. Sinon, j'aurais même commencé à dire un petit peu cassé, pas vraiment cassé. Ouais. On ne veut pas rentrer dans les détails. De manière générale, quand Rami me font un décret, ils font un décret net, franc, qui met terme à toutes différentes possibilités de venir par derrière, permettre par-ci, par-là. D'accord? Ou Ben Betera m'attire Vassous. Maintenant, Ben Betera, il permet même de lui vendre un cheval. Alors, de quoi on parle précisément? Tout d'abord, je reviens maintenant sur l'interdit de la Torah de faire travailler mon animal. Il faut savoir, tout d'abord, avant même de parler de lui, on va d'abord parler d'un homme. Quelqu'un qui sait marcher de lui-même, si je le porte pendant Shabbat, je ne transgresse pas d'interdit de la Torah.
selon la règle « Achai nosé et atzmo ». Un être vivant se supporte. Vous savez bien qu'un homme vivant pèse un certain poids. Une fois qu'il meurt, il va peser encore plus lourd. Il y a quelque chose de phénoménal, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est comme ça. Ce qui paraissait prouvé, quelqu'un qui a eu des contacts avec quelqu'un qui était à la morgue, il m'a raconté que c'était réellement comme ça. Le mort pèse plus lourd concrètement que le vivant. Pourquoi ? Parce que « Achai nosé et atzmo » c'est discuté pourquoi dans le Shonim, dans le Sechet Shabbat. En tout cas, le fait d'être vivant fait que maintenant, il y a peut-être une neshama qui tire vers le haut, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, on est plus léger. Selon ce principe, à cause de cette particularité, alors la Gemara dans Shabbat explique que lorsque moi, je n'ai pas le droit de porter un livre pendant Shabbat dans le domaine public, et bien si je veux porter un petit enfant qui sait déjà marcher, ou même un adulte qui sait marcher, puisqu'il est vivant, alors il a cet aspect-là de Achai nosé et atzmo. Le vivant se porte lui-même. De ce fait, c'est un statut particulier que je ne transgresse plus d'interdit de la Torah de le porter. Selon ce principe, si je monte à cheval, sur mon cheval pendant Shabbat, qui me promène dans le Shout Arabim, eh ben, je ne suis plus en train de transgresser l'interdit de Horaïta de Mechamer. Pour quelle raison? Parce que mon cheval, il ne transgresse pas non plus l'interdit de porter lorsqu'il me transporte dans le domaine public. Selon ce principe, maintenant, alors, on commence déjà à approcher maintenant Ben Betera, qui permet de vendre un cheval à un goy. Pourquoi? Parce qu'il va te dire, dis-moi, je ne vais pas t'interdire de le lui vendre, parce que même si tu lui loues, alors tu n'as pas le droit de le lui louer, parce qu'on transgressera quand même un interdit midrabanan. Mais malgré tout, vendre, c'est déjà une barrière qu'on ajoute au fait de louer. Si l'interdit de louer, tu ne seras confronté qu'à un interdit midrabanan, alors il n'y a plus lieu de te mettre une barrière sur une barrière. Vous savez bien, sous Mishmeret, les Mishmartim, mais pas Mishmeret et les Mishmeret. Il faut mettre une barrière aux interdits, aux transgressions de la Torah, mais pas une barrière aux barrières de la transgression. On ne met jamais deux barrières. D'accord? Il y a des règles, c'est assez complexe, mais en tout cas, une fois qu'il y a un interdit midrabanan, on n'a pas lieu de mettre un nouvel interdit de peur qu'on va transgresser un interdit midrabanan. Selon ce principe maintenant, si on a un cheval qui est certainement prévu uniquement pour transporter des êtres humains, des hommes, alors en théorie, si je le lui loue, le cheval, je ne transgresse qu'un interdit de rabanan, donc il n'y a plus d'interdit de le lui vendre. Ça, c'est pour le cheval, et il me semble que c'est même admis de tout le monde, cette fois-ci. Il y a maintenant une discussion spécifique sur le cheval qui appartient à un cheval de chasseur, que le chasseur, lui, une fois qu'il a chassé, il réunit, alors on parle de la chasseur de volaille, ouais, c'est un peu original, j'ai du mal à comprendre. J'ai mal préparé mon cours, en fait, hein, je vous dis, sur cette fin-là, et j'ai dû ouvrir la gemara dans Psachim pour mieux éclaircir, j'ai pas eu vraiment le temps, mais j'étais pressé de le faire, mais en tout cas, concrètement, là, on précise comme ça, qu'on parle d'un chasseur particulier, d'un chasseur qui chasse des oiseaux. Il les met ensuite dans des cages, où il leur coupe les ailes de manière à ce qu'ils ne peuvent plus voler. Il y a en cela une discussion, est-ce que sur transporter un tel oiseau qui ne peut plus voler, est-ce que je transgresse l'interdit de la Torah de porter pendant Shabbat? Suite à ça, va découler la discussion par rapport au cheval. C'est assez complexe, mais en tout cas, de là, ça va découler la discussion avec le cheval. Si je n'ai pas le droit de transporter un oiseau pendant Shabbat et je transgresse un interdit de la Torah, dans ce cas-là, je ne pourrai plus louer, plus vendre mon cheval à un goy, même si ce goy-là est un chasseur d'oiseaux. Tandis que, ouais, regarde, on fait ça dans le Barthénora. Tandis que, si je ne transgresse pas un interdit lorsque je transporte l'oiseau, c'est la vie de Rabbi Domène, etc. De ce fait, on ne va plus t'interdire de lui vendre le cheval de peur que tu vas te tromper au cas où il est loup. Ok? On fait ça dans les mots, regardez. Ben Betera, dans le mot de Barthénora. Ben Betera matir basus, Ben Betera permet de lui vendre un cheval. Même le cheval sur lequel les chasseurs vont transporter les volailles qu'ils ont chassées. Parce qu'ils pensent, Rabbi de Ben Metera, qu'un être vivant se transporte lui-même, il se porte lui-même, de ce fait je transgresse plus l'interdit de la Torah lorsque je vais le transporter. Et donc, on ne va plus être gozer de ne pas vendre de peur que tu vas lui louer, parce que même si lui, tu transgresseras un interdit de Rabbanan. Mais Rabbanan, ça prétend que Rabbanan pense que quoi? Davka Adam Noset Atzmo. Il est vrai qu'un homme qui se transporte lui-même, puisqu'il est Noset Atzmo, il se porte de lui-même, de ce fait je transgresse plus un interdit lorsque je vais moi-même le transporter. Et le car, Imloa. Ouais, c'est tout, ils n'ont pas plus précisé. Juste l'homme, c'est-à-dire à exclure. Une volaille, la volaille a plus de statut particulier que Achai no set atzmo. Donc si je transporte une volaille, moi-même je transgresse un interdit de la Torah. Si mon cheval le fait, je transgresse l'interdit de la Torah de l'Av de Mechamer. Et de ce fait, je ne pourrais pas vendre de peur que je vais me tromper un jour et que je vais lui louer aussi mon cheval. Il car, donc on conclut.
Si toutefois le cheval est un cheval, c'est écrit précisément ici, explicitement ici, si le cheval il est prédestiné à ne porter à que des hommes, alors j'aurai le droit de lui vendre même d'après Chachamim. Par contre, aval le aviv al chay acher chus madame, par contre pour transporter un autre animal outre que l'homme, dans ce cas-là, assour le fir chachamim, j'aurai plus le droit de le lui vendre. Parce qu'en cela, on risque d'être confronté à un interdit de la Torah si toutefois je vais lui louer mon cheval. Et tandis que Ben Betera va nous dire non, tu auras le droit. Ben al chay ben Betera, la lacha n'est pas établie comme Betera, comme Ben Betera. Ouais, la lacha est établie comme chachamim, donc j'aurai pas le droit de lui vendre un cheval si c'est un cheval qui a aussi comme fonction de transporter aussi des animaux chassés. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.